Béziers 19e accueille Brest 2e, des ambitions très différentes pour les deux clubs. Béziers joue le maintien et est à 5 points des barrages pour se maintenir en Domino's League 2, alors que Brest joue la montée et peut monter en cas de victoire en Ligue 1 Conforama. Brest reste sur 5 succès de suite et arrive donc en confiance dans ce match. Première opportunité pour les visiteurs avec ce centre un petit peu trop long, puis cette reprise très intéressante de Gaëtan Bello, le capitaine brestois. La parade de Vincent Viaud, puis une deuxième chance et une nouvelle parade du gardien de Béziers. Ça commence bien pour les joueurs de Jean-Marc Furlan. Encore une chance pour les Bretons avec Gaëtan Charbonnier, meilleur buteur de Domino's League 2 à ce moment-là. Il se procure une deuxième occasion. Le tir à angle fermé, encore une fois sauvé par Vincent Viaud. Les Bretons sont dominateurs mais n'obtiennent pas de récompense. Béziers se réveille enfin avec une occasion assez importante. Aboubakari Kanté dans la surface, l'angle est fermé. Il ne parvient pas à trouver le cadre du but gardé par Gauthier Larsonneur. Bien lancé par Julien Sétou. C'est une occasion énorme pour Aboubakari Kanté. 0-0 à la mi-temps. Béziers n'a perdu qu'une seule de ses 6 dernières rencontres, mais n'a eu qu'une victoire dans cette série. Il manque encore pas mal de points pour espérer se maintenir. Et en gros, il faudrait gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison en espérant des échecs des équipes qui sont au-dessus. Mais c'est possible. Et pourquoi pas une nouvelle action d'Aboubakari Kanté en seconde période. Pourquoi pas gagner ce match-là contre Brest. Ce serait une sacrée performance pour le promu. Le chrono tourne en faveur des Brestois, même si Brest a besoin de la victoire pour monter. Mais le point à l'extérieur serait intéressant. C'est tout de même Béziers qui a les meilleures occasions en seconde période. Une de plus ici pour Antoine Rabillard. Entré à 12 minutes de la fin à la place de Ramalingom. Ça ne passe pas. Brest a une balle de match. Une balle pour monter en Ligue 1 Conforama. C'est manqué par Gaëtan Charbonnier qui a marqué tant de buts cette saison. 25 exactement. Il ne parvient pas à mettre ce but qui aurait offert la montée certaine à Brest. Et dans les minutes qui suivent, Béziers y croit encore avec l'une des toutes dernières chances. Ce ballon pour Ryan Abid, ça arrive dans la surface sur Aboubakari Kanté qui marque à la 90e minute. La déception de Jean-Marc Furlan et le but de l'espoir pour Béziers. 9e but de la saison pour Kanté. C'est un succès capital qui se dessine pour Béziers. Les Biterrois ont toujours l'espoir de se maintenir en Domino's League 2 grâce à cette victoire, alors que Brest n'est toujours pas officiellement en Ligue 1 Conforama.